Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus au sein de cette nouvelle vidéo de Data Reaper. Et cette fois-ci, je vais devoir m'excuser. M'excuser parce qu'il y a des fois où je dis vraiment beaucoup trop de conneries. Et en fait, je dis beaucoup trop de conneries par rapport, non pas à ce que je vais vous dire là tout de suite, mais par rapport à ce que je vais vous dire plus tard. En fait, quelque chose que je vous avais enregistré au mois de décembre, en fait. Donc ça fait partie des vidéos en retard. J'osais pas trop la mettre non plus, ça fait partie de toutes ces vidéos que j'avais auto-censurées. Même si je suis pas très méchant, c'est juste que... Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose, enfin bref. Bref, c'était vraiment... Ouais. Et puis je me le suis rematé, en fait, ce que j'ai dit, c'est que... que ce jeu était nul, et ce qui est absolument... faux. Oui, absolument faux. En fait, ce qui est nul, le jeu qui est nul, c'est la version PlayStation 3, donc la première version de Hyper Dimension Neptunia, qui était vraiment... mauvaise, quoi. Entre le système de combat qui était dégueulasse, les donjons qui étaient mal faits, les musiques qui étaient dégueulasses, le seul truc qu'il y avait à sauver, c'était vraiment le côté visual novel qui était plutôt bien foutu, avec un scénario plutôt intéressant. Enfin, quand je dis intéressant, je vous dis pas qu'il est super fouillé, hein. Non, je vous dis juste que le thème abordé était intéressant, vu que le thème abordé, c'est la guerre des consoles, avec les consoles Sega, machin, enfin bon... Il y avait pas mal de choses avec les jeunes filles qui représentent les consoles et tout le tout team, enfin... Il y a vraiment pas mal de choses à en tirer, en fait, de ce scénario, et d'en faire quelque chose d'assez rigolo, d'assez sympathique. Mais le problème, c'est que la version PS3 est desservie par une BO. Mais mon dieu, la BO, peut-être la pire des BO que j'ai jamais entendue. Du coup, je l'avais descendue, mais en flamme, quoi. Le truc, c'était juste inécoutable. Et d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo juste après mes dires, et juste après, surtout, le générique, qui est pas mal du tout. Et je vais vous le laisser en entier, hein, comme je commence à faire régulièrement en ce moment. Je sais pas pourquoi, je vous laisse ça. Voilà, je trouve ça fun. Et là, je vais vous laisser surtout écouter un petit peu la musique du jeu, parce que... Faut que vous mettiez en tête la nouvelle version pour ensuite écouter l'ancienne, qui était vraiment... Bordel, j'ai jamais entendu une BO aussi dégueulasse. Mais ici, elle est vraiment pas mal. Écoutez-moi ça. Et on va revenir aussi un petit peu au jeu parce que... Attendez. Vous pourrez aussi comparer avec ce qui se passera dans l'autre version. C'est qu'ici, on est vraiment dans un système de jeu qui est connu de l'éditeur. Hein. Enfin, là, de tête, je n'ai plus l'éditeur. Mais vous allez reconnaître, hein, c'est du... Ouais, c'est de l'action RPG. Assez simple, mais efficace, bordel. Efficace et sympa. Donc, vous voyez, il y a un... On se positionne en fonction de... du déplacement que l'on peut donner, et on donne autant de coups que l'on peut. Et évidemment, il y a un petit système de défense, il y a des, il y a de la magie, tout ça, enfin bref. C'est plus tard dans le jeu, ça. Et donc, ouais, il est loin d'être dégueulasse, il est même plutôt sympa. Par contre, je préviens tout le monde, hein, si jamais vous souhaitez rentrer dans ce genre de jeu, sachez que la difficulté est juste gargantuesque, hein. Ce n'est pas le genre de jeu auquel vous êtes habitué, hein. Ce n'est pas un Final Fantasy, les gars, hein. C'est vraiment une difficulté de jeu, comment dire, pesée et sous-pesée pour que ce soit super dur et que vous ayez l'impression d'avoir besoin des DLC. Parce que oui, c'est un jeu à DLC et ils se privent pas de vous faire payer au prix fort les petits trucs de confort, les objets, les machins. Donc oui, de ce côté-là, c'est vraiment pas la joie. Mais ça reste quand même... un jeu appréciable, et surtout dans son dans sa dernière évolution, Hyper Dimension Neptunia U, qui lui assume carrément le côté action. Et c'est vraiment, il est vraiment, vraiment bon, quoi, le U. Je vous ferai voir un de ces quatre aussi. Et en plus, il ne s'embarrasse pas des phases visual novel, enfin bon, c'est... C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, cool. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser avec mon ancienne vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas de la vidéo, hein, dans les commentaires. Et surtout, si vous êtes friand de ce genre de jeu, quoi. Hein, bref, si vous y jouez souvent ou pas, enfin bon, qu'est-ce qui vous amène dans ce genre de jeu?
Ou si vous ne jouez pas ce genre de jeu, pourquoi vous n'y jouez pas, hein, c'est, ça peut être bien à savoir aussi. Parce que bon, moi j'aime bien ce genre de jeu parce que... comment dire, gros plan sur la petite culotte. Non, 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 je plaisante. Allez, bref, je suis resté beaucoup trop longtemps là. Je rends l'antenne et surtout, je vous mets cette vidéo. Allez hop, des bisous et c'est tout de suite après le générique, hein, le générique du jeu. Allez, je vous embrasse, allez tchuss. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus chez Data Reaper. Et ce coup-ci, on va se consacrer à Hyperdimension Neptunia. Un jeu qui aurait pu être fort bien, excellemment bien, s'il n'avait pas un excellent défaut. Et ce défaut, il est audio, vous l'entendez déjà. Hein, la musique est dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, c'est peu dire. Alors, plutôt que de rester sur les grands titres, qui est déjà d'un bon niveau de dégueulasserie et de saloperie, faisons un new game. Alors, il confirme change settings, ok, ouais, on s'en fout. Oui, 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 go for it. On met le défaut. Hein. Alors, attendez, oui, non. Ah, alors, done. On met en japonais quand même, hein, histoire de d'avoir une torture en moins. Parce que bon, les versions anglaises de ces jeux-là, elles sont tellement faites... par-dessus l'épaule que ça même pas la peine. Alors, de quoi s'agit-il pour les moins anglophones d'entre vous? Ben, il s'agit juste d'un mélange de visual novel RPG. C'est à mi-chemin entre les deux, donc entre deux donjons, on a le droit à des scènes comme celle-ci, où on parle, etc. Mais le truc, c'est qu'il s'agit d'une espèce de représentation de la guerre des consoles vue par un visual novel, quoi. Donc de charmantes jeunes filles peu vêtues, qui combattent entre elles, ou avec, enfin, comment ça s'appelle, ou alliés, enfin bon, vous allez voir, c'est, ça peut être assez sympa, mais malheureusement, c'est gâché, complètement gâché. D'autant que le character design est plutôt bon, les graphismes, bon, ouais, bon, peut mieux faire, on va dire, surtout dans la scène de donjon, enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Et le seul gros défaut qu'il y a jusqu'ici, c'est qu'il est assez verbeux. Vous en conviendrez. Et en anglais. Mais c'est pas grave, ça. Bonjour, mademoiselle. Ces underboobs de malade. Et bien sûr, ce jeu avait été fait aussi en collaboration avec Sega, par exemple. Et à chaque fois, ils ont de nouvelles collaborations, à chaque fois qu'ils sortent un nouvel épisode. Parce qu'évidemment... Hein, des Hyper Dimension Neptunia, il en sort un épisode à chaque fois qu'ils éternuent. Un petit peu comme Assassin's Creed, en fait. Donc, c'est... Ça peut être rapidement... Comment dire, déstabilisant d'en avoir autant. Et surtout faire des jeux à la chaîne, quoi. Enfin, bon, je sais pas, moi, c'est un truc... Je pige pas trop le truc, mis à part vouloir faire du pognon vite fait, mais... Ils tirent sur la corde comme des tarés.
Mais bon, là vous verrez, la corde était déjà pas bien épaisse. Alors, on va passer tout ça parce qu'il y a moyen hein, de... Voilà, hop, esquipe. Parce que là, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire chier à regarder un visual novel. Et quand je dis vous faire chier, non, parce que oui, il y a d'excellents visual novels et je vous en ferai quelques-uns hein, à l'occasion. Ouais, une scène de combat. Qui est l'occasion aussi de voir le système de combat qui est... Comment dire, hésitant. Et le mouvement dessin, par contre, lui, n'est pas hésitant. C'est de haut en bas et c'est vachement bien foutu. Et pourquoi j'ai choisi le mot vachement? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas nous qui jouons. Génial. Ok, trop de la boulette. Et du coup, on peut pas passer la scène. Enfin bon, pas grave. Bon, en tout cas, moi de mon côté, je compte vous en présenter de plus en plus des jeux ni bons ni mauvais. Et bien sûr, je raconte n'importe quoi. Bon, alors, c'est à quel moment que vous allez me laisser jouer? Alors, pour revenir à Hyper Dimension Epinia, non content d'éternuer régulièrement, en plus, ils s'amusent à faire des remakes de leur éternuement. Donc, ils ont ressorti les jeux en un peu plus beau, parce que bon, on peut pas dire ça autrement, sur PC, sur PS4 et sur PS Vita, quoi. Enfin bon, des versions lissées, certainement avec les DLC, mais les DLC gratuits. Parce que bon, c'est un vrai nid à DLC aussi, hein, mais bon, ça c'est l'habitude des jeux japonais. Tu ne sors pas un jeu sans tes 50 DLC. Oh la pauvre, elle est blessée. Oui, bonjour. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était magnifique. Allez, go! Blablabla. Mais déjà, la musique ici est dégueulasse, quoi. Enfin, pourquoi avoir sorti une OST aussi dégueulasse? Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Oh, cette chambre toute rose avec des petits cœurs. Même moi qui déteste pas le rose, ça me donne la nausée. Ta-da-da-da-da. Allez, on passe. Voilà, c'est surtout l'occasion de voir les boobs de ces mademoiselles. Alors, attendez. Ah, dommage. Parce que bon, il y a évidemment moyen d'enlever le dialogue qui est en impression sur les images, hein, histoire d'en profiter carrément. Mais bon, là, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché non plus. Hein. Que ça reste quand même un des buts de ce genre de jeu, c'est de vous faire voir le plus d'artwork sympathique. Donc, si jamais les artworks vous intéressent, hein, ils sont tous disponibles sur Internet, évidemment. Il va s'en lire. Et s'il y a censure en plus, ils seront enlevé. C'est ici que ça commence. Vous allez voir, c'est... En fait, là, ce jeu, je l'avais fait en streaming à l'époque, il y a quelques années. Et le truc, c'est que les viewers ont failli m'assassiner hein, sur place. Ils n'en pouvaient plus. Au bout d'un quart d'heure, c'était la mort du streamer, quoi. Ouais, mais on s'en fout comment ça se joue. Hein, de toute manière, ça se joue très mal, en plus. Voilà, vous entendez cette musique? Est-ce que vous l'entendez? Je suis sûr que vous ne l'entendez pas assez bien.
On va se faire un combat et ensuite je vais vous la mettre. Parce que là, on a une boucle de 3 notes pendant tout le temps du donjon. Hein ? Non, très honnêtement, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait nous faire rage-quitter ? C'était quoi le but de l'affaire, là ? De nous faire voir que... Eh ben oui, nous aussi, on ne sait pas composer. On a engagé notre petit frère en... Oh là là, sur un bon tant pis, quoi. Ah, et j'ai eu une épée. Roufou, ah, trop bien. Une épée en bois, je vais pouvoir me la foutre dans le fm. Et je deviens vulgaire. Et donc, évidemment, il n'y a pas l'équipement. Non, mais là, je crois que je vais rajouter. Ah, voilà. Combat. Agabelle est dessus. Oh non, mais mon dieu. Mais même là, vous voyez, ils ont essayé de faire chiptune. Au lieu de faire chiptune, ils nous ont fait vraiment mélodie au rabais, quoi. C'est pas ça la chiptune. Merde, bordel. Alors, voilà, ok, vous voyez, c'est pas compliqué. Ok, voilà, et tu fais ça à longueur de combat. Trop bien. Ah, vous aimez ça, hein. En plus, c'est au ralenti, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont sur Mars ou quoi, c'est... Et tiens, et tu veux ma grosse aiguille dans le cul? Oh là là! Je sens que tu es bien malade! Tu es bleu! Bleu-vert, d'ailleurs. C'est le vert RATP, ça. Oh là là! Oh, excusez-moi, je rage hein, contre ce jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais, quoi. Ok, le combat trop bien, vous voyez, c'est... Boulette, boulette, boulette. Cool. Bon, écoutez, là je vais vous laisser. Avec une petite boucle de cette musique, hein, qui est absolument somptueuse, on va la mettre un petit peu de face, la demoiselle, histoire qu'il y ait au moins quelque chose d'agréable à voir. Mais je vais vous laisser avec la musique, je vais surtout la mettre plus haut. Vous allez comprendre très vite pourquoi elle est chiante au possible, cette musique. Ah, tout de même, avant de partir, ne jouez pas ce jeu-là. Hein. Et bien sûr, bye bye, je vous aime tous, des bisous, ne rage-quittez pas ma chaîne à cause d'une bêtise. Je vous adore, si vous aimez, pouce rouge, pouce vert, abonnement, machin, ce que vous voulez. Et surtout, commentez. Hein. J'adore vos commentaires, d'ailleurs. Continuez à commenter comme ça. Allez hop, tchuss et des bisous. Faites-y les fous.